Salut à tous, c'est Julien, de retour sur jeuxvideo.fr. Aujourd'hui, je vais faire un test Crysis, multijoueur dénommé Crysis Wars, sur PC, édité par Electronic Arts et développé par Crytek. Bon, plusieurs testeurs l'ont déjà testé, hein, ce multijoueur, mais moi, je vais vous présenter le nouveau, le nouveau mode du jeu. Bon, alors, hop, multijoueur. Bon, on va faire une partie rapide pour chercher, pour que ça nous trouve une map très, très rapidement. Partie Internet, c'est là où on peut choisir nos maps, nos serveurs qu'on va y aller. Voilà, il y en a beaucoup. Certains sont vides, hein, normal, parce que je joue pas à la bonne heure. Partie réseau local, bah, on joue entre PC qui sont juste à côté, mais là j'en ai qu'un seul. Et film d'introduction, c'est ce que vous venez de voir, il y a quelques secondes. Voilà, je vais commencer par vous présenter différents modes de jeu. Alors, comme bah, le premier partie instantanée, bah, c'est un des matchs. Hein. On se tire dessus comme des bourrins. Deuxième, lutte de pouvoir, c'est un mode où on est en équipe. Et la mission, c'est d'anéantir la base principale de l'adversaire. En utilisant l'arme nucléaire ou autre chose. Car en fait, il faut capturer différentes bases et des bunkers pour gagner beaucoup de points et pour acheter des armes, des véhicules, etc. Et grâce à ces armes, on peut détruire la base principale de l'adversaire. Voilà. Sinon, le nouveau mode de jeu, bah, c'est jeu en équipe, hein, c'est des matchs en équipe, nouveau et seul mode de jeu, il y en a en tout trois, hein, que je vais vous présenter tout de suite, voilà. En tout, nous avons 21 cartes, hein, qu'on est beaucoup, on est vraiment bien gâtés pour cela. Je vais en mettre une que j'adore, si je la trouve, bien sûr, ce serait bien. Elle s'appelle Stranded. Alors... Je vais prendre jeu en équipe, hein, c'est le truc qu'il faut que je vous montre, hein, le plus important. Bah voilà, celui-là. Bon, on n'a pas beaucoup de monde, il n'y a que deux personnes. Hein. C'est un jeu en équipe, mais bon. Bon, alors, dans ce Crisis Wars, qu'est-ce que je pouvais vous dire en avantage, en inconvénient? Tiens, avantage, on a plus de cartes, ça c'est bien, on a choix. Le nouveau mode du jeu. Quoi d'autre? Il y a des niveaux qui sont super bien foutus, comme celui-là, que j'adore vraiment. Inconvénient, ces cartes-là ne figurent pas dans le Crysis normal, hein, premier du nom. Avec les nouvelles armes, on ne pourra pas les avoir dans le premier Crysis. Hein. Tout cela, c'est que réservé pour les Warheads. Pour ceux qui ont joué Warhead, bah, ils auront les nouvelles cartes et les nouvelles armes. Tandis que ceux de Crysis, bah, ils ne pourront pas en profiter. Sinon, avantage aussi, il y a moins de bugs quand à chaque fois que j'entraîne dans un serveur et là ça accepte pas ou ça merde. Là ça merde pas du tout, ça marche super bien. Voilà, je joue directement. Alors là je suis les Coréens, alors comme vous pouvez voir ça a changé d'interface là-haut, il reste 12 minutes de jeu. Et là le but du jeu c'est de faire le plus de morts possible. Alors, après, ça nous marque combien de fois on l'a tué, le gars, ça c'est bien aussi. Ou combien de fois lui il m'a tué. Ah, voilà mon équipier. Voilà, on va aller là. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur le jeu? On peut choisir des véhicules aussi, mais là dans ce niveau-là, pas de véhicule. C'est un petit map. Il y a certains maps où on peut utiliser que des véhicules pratiquement. Que je vais vous montrer tout de suite, je crois. Voilà, je l'ai eu. Bah ouais, c'est le même que j'ai tué, voilà, c'est marqué deux fois. Très joli niveau. Assez petit pour jouer en petite équipe, hein, tout simplement. Ou un deathmatch normal, plus précisément, des fois. C'est le plus. On va mettre un viseur réflexe. Je vais essayer d'en avoir un là. Mais avec un viseur réflexe, j'ai du mal à voir. C'est mieux avec un lunette. Ouh, l'enflure. C'est bon, j'ai eu. Bon, voilà, un petit mode très sympa. Super bien sympa, surtout. Mais bon, on peut pas aller bien loin. C'est un petit map rien que pour faire des jeux en équipe et un des matchs. Voilà. Je vais vous présenter un autre niveau plus important.
aussi intéressant. Alors, ce niveau, c'est une très grande carte, une des cartes qui a été déjà dans Crisis 1, mais celle-là, elle a été remasterisée spécialement pour qu'on se fait attaquer par des tanks, par des ADAV ou des hélicoptères. On fait que des attaques de véhicules. On est très rarement à pied, à part sur le pont. Il y a des attaques sur le pont, comme vous pouvez le voir là-haut. Mais bon. Bon, alors. Je vais le mettre en. Voilà, je vais prendre le fusil Glock. Je sais pas comment il s'appelle. Alors, je vais prendre le tank là. On a des différents tanks. On a même les nouveaux véhicules de Warhead. Attends, je suis en train d'avancer pour voir ce que ça donne. Bon, ça bug un peu parce que le réseau il est pas super de ce. Ah, il y a un véhicule en haut. Voilà, je suis en train de tirer dessus. Voilà. Bon, c'est bon. Je crois pas que c'est. Ah, il est en. C'est bon. Alors, j'ai un petit peu plus avancé. Ah, il y en a un autre là-haut. Je vais l'avoir. Attention, attention, attention. Ah, alors, comme vous pouvez voir, l'interface a changé là-haut. Il reste déjà 7 minutes de jeu parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Et je vous laisse par cette dernière scène parce que ça bug un peu. Et j'ai enlevé le son en plus. C'est pas super. Avec le son, ce serait mieux. Ah, j'en ai eu un. Voilà. Alors, je vous laisse et pour résumer en tout, on a en tout une vingtaine de cartes, beaucoup de serveurs, on a beaucoup de choix, moins de bugs. Malheureusement, ces cartes ne figurent pas dans Crisis 1, ni les armes, ni les nouveaux véhicules. C'est réservé que pour que. Ah, j'arrive plus à parler tellement que je refais cette scène. À chaque fois, ça bug, ça me saoule. Alors, c'est dédié que pour les Warhead. Ouais. Oh, et voilà. Alors je vous dis au revoir et pour la prochaine JVTV, c'est Brother in Arms 3 sur PC. Alors je vous dis ciao et à bientôt.